Hachem, voilà, c'est le Rosh Hashanah Chassidut. C'est un moment qu'on attend toute l'année. En vérité, c'est la fête la plus importante de l'année. Et ce qui est important chez nous, en vérité, c'est qu'on reçoit des juifs de la communauté la plus large. Ça veut dire des gens qui n'ont pas peut-être l'habitude de participer à ces fêtes-là. Alors on les invite et aujourd'hui ils vont comprendre pourquoi les chassidim y fêtent ce moment-là qui est très important, qui est fondamental dans la vie d'un chassid. Rosh Hashanah, ça inclut dans la tête, Rosh Hashanah, la tête de l'année, Rosh Hashanah Chassidut, ça inclut tout le sujet de la Chassidut, mais ça c'est quelque chose qu'on développera, Bezrat Hashem, tout au long de la soirée. Et Baruch Hashem, nous avons l'honneur de l'avoir ce soir avec nous. Je voudrais introduire mon ami le Rav Yaakov Abirgel de Jérusalem. Merci de l'accueillir. Le Rabbi, dans le temps de cette semaine, il parle de la France, il parle que de la France. Et il explique pourquoi la Géoula dépend des Français. Jusqu'à présent, j'avais compris que quoi, 770, c'est la valeur numérique de Tsarfat. Jusqu'à présent, j'avais compris que la Révolution française, elle était en chaque juif, dans le sens où il a l'esprit pour renverser les choses, pour transformer les choses. Mais cette année, je me suis attaché à étudier le texte du Rabbi du Tzohar Malchut avec profondeur. Et j'ai compris à quel point c'était important, la chose est importante, d'être juif et d'être français, né en France. Qu'on a une mission qui est particulière, on n'est pas comme les autres. Tout simplement parce que même la Mourazaken, il a prié pour que la Russie elle gagne la guerre contre la France, à l'époque de Napoléon. Il a prié et il a promis à son fils que la Russie allait gagner la guerre. Vous savez pourquoi? Parce que l'esprit de la Révolution française, c'est qu'ils voulaient couper la tête, ils ont réussi, ils ont coupé la tête du roi. Et qu'il est écrit dans le Tania que quand un juif fait une avéra, il prend la tête du roi et il la met dans les toilettes. C'est-à-dire que nous, c'est tout le contraire. Qu'un juif, il doit être lié au roi. Il doit être lié à la tête. Et il doit avoir conscience que chaque seconde, il la doit au roi des rois, quand je vois en cours. Et l'esprit de la Révolution française, elle a l'opposé du judaïsme. C'est se débarrasser de toute contrainte, de toute autorité, de dire ce qu'on pense, de la liberté des mœurs. Et elle est à l'opposé du judaïsme. C'est pour ça que la Mourazaken, il avait peur. Il craignait la victoire des Français, parce que Napoléon il est venu au pouvoir à la suite de la Révolution française. C'est en étudiant le Tania que j'ai compris qu'on pouvait avoir le penchant, être victorieux du mauvais penchant. Mais avec le Rabbi, on va encore plus loin. Avec le Rabbi, on apprend à refléter sa lumière. C'est-à-dire qu'il y a un moment, Yom Kippour, puisque c'est Yom Kippour aujourd'hui, Yom Kippour ailleurs. Puisque c'est Yom Kippour aujourd'hui, Yom Kippour, c'est pas seulement je regrette les péchés que j'ai faits, c'est pas seulement ça Yom Kippour. C'est pas seulement je m'éloigne du péché, je ferai plus le mal, et je regrette, et Dieu me pardonne, et Dieu me purifie, et je suis pur à présent. C'est pas ça Yom Kippour seulement. Yom Kippour, c'est dévoiler l'essence de notre âme. Yom Kippour, c'est dévoiler le plus haut niveau de nous-mêmes. Yom Kippour, c'est être capable de donner 1000 shekels pour faire vivre un maître abad et avoir pour faire une mitzvah. Yom Kippour, c'est révéler les plus hautes actions, les plus hautes pensées, les plus hautes paroles. C'est comme on a dit, les vêtements de notre âme, qu'ils soient beaux, qu'ils soient des habits d'un juif. On attache vraiment, c'est de parvenir à être vraiment comme un juif. Ichaim. Donc il y a tellement de choses à dire, mais il y a une seule chose peut-être que je voulais vous dire ce soir, c'est à propos du Shabbat et à propos du fait que c'est interdire de cuire le Shabbat. Si on fait cuire de l'eau dans une marmite le jour de Shabbat, c'est interdit. Maintenant, Motsé Shabbat, est-ce qu'on a le droit de se servir de l'eau qui a été cuite à Shabbat? C'est interdit. Maintenant, la question qui pose la Mourazaken, et c'est là tout le sujet de la Mourazaken, c'est que ça, il y a beaucoup de sages qui sont capables d'étudier la chote, de comprendre la volonté de Dieu dans tous ces détails.
Seulement, l'Amor Hazaken, il va nous donner la signification profonde de la halakha. Et il dit que la marmite dans laquelle on a cuit de l'eau interdite pendant le Shabbat, elle a avalé de l'eau qui est interdite. Donc il faut faire la gala de la marmite. Alors qu'il y a des sages qui disent que c'est pas la peine. Le Mozaken, il dit que l'eau qui a été avalée dans les parois de la marmite, on doit lui faire la gala. Et en fait, cette marmite-là, elle est comparable à notre corps. Et le corps d'un juif, il n'est pas comme le corps de tous les autres peuples. Dieu, il a choisi le corps des juifs. C'est-à-dire que le corps d'un juif, il est marqué de l'empreinte de Dieu. On pourrait même presque dire que c'est Dieu qui l'a signé, quoi. Et plus que ça encore, la marmite dans laquelle on met de l'eau et on fait cuire les aliments, elle est comparable aussi aux vêtements de notre âme. C'est-à-dire à nos pensées, à nos paroles et à nos actes. Et ça, c'est le point fondamental du Tanya, c'est que la pensée, la parole et l'acte ne sont rien en comparaison à l'âme. À l'essence de l'âme d'un juif, puisque l'essence de l'âme d'un juif, elle est enracinée dans l'essence divine. Et quand l'Amor Hazaken dit qu'on doit faire la gala des Kélim, qui a avalé de l'eau interdite, il signifie que nous-mêmes aussi, on doit faire la gala de nos pensées, de nos paroles et de nos actes, et de notre corps, afin d'être purs. Et c'est pour ça même qu'on compare ce jour-là aujourd'hui à Yom Kippour. Parce que le jour de Yom Kippour, c'est le jour de la pureté. Et c'est ça tout le travail du Tanya. C'est de travailler sur nous-mêmes, sur notre cœur, sur nos paroles, sur nos actes, afin de les laver. Et comment on fait une agala avec le feu? On la brûle tellement qu'elle va cracher des étincelles, elle va cracher l'interdit qu'elle a avalé. C'était le keli, la marmite. Et le feu, dans la partie profonde de la Torah, il représente l'amour de Dieu, l'amour d'Israël. Ça veut dire qu'on parvient à se laver soi-même en aimant l'autre. Ça veut dire que la vie d'Israël, c'est la chose la plus importante qu'on doit vivre, qu'on doit ressentir tous les jours de notre vie. Ça veut dire que d'aimer Dieu, c'est d'aimer un juif. Et d'aimer Dieu profondément, c'est aimer un juif qu'on ne connaît pas. Pas seulement d'aimer les juifs qu'on connaît. C'est précisément quand on ne connaît pas qu'on doit aimer un juif. Et tout le Tanya, et le chapitre 32 du Tanya, c'est lève le cœur du Tanya. C'est ça, c'est d'apprendre à avoir un regard profond sur chaque juif, chaque situation de la vie. Et quand on imagine que l'Amor Hazaken, comme a dit le Rav Barchichat, il a dit que, entre parenthèses, je le connais depuis que je suis arrivé en Israël, et il s'est toujours attaché à faire pénétrer la Chassidut dans notre quotidien. C'est-à-dire que Rabat, il s'acharne pas à étudier la Torah pour elle-même, s'acharne à étudier la Torah pour aller aider un autre juif avant tout. C'est-à-dire que la Chassidut doit rentrer dans notre vie au point que même quand on rentre dans le bus, on ne s'assied pas à n'importe quelle place. Ou alors quand on se tient dans une assemblée, on ne se tient pas comme bon nous semble. Chaque élément de notre vie, il est empreint de ce souffle. Et l'Amor Hazaken, je l'imagine en prison. Il a dit que c'est vrai que c'était dangereux de sortir de prison, même peut-être qu'on ne sortait pas de prison. Mais j'ai du mal à m'imaginer l'Amor Hazaken en prison, la vérité, parce que je ne crois pas qu'on puisse l'emprisonner. Et souvent je dis que peut-être qu'il se lève, on met le Rebbe en prison, si on met un tzaddik en prison, c'est tout le peuple juif qu'on met en prison. Je dirais sortir de prison, c'est très simple, c'est vraiment très simple, ça dépend d'une toute petite chose, d'un tout petit acte, ça dépend du fait de dire une bracha avec Kavana. C'est ça que le Rabbi demande de nous. Et au nom du Saint béni soit-il, il demande, il attend le cœur de l'homme. L'Echaim, l'Echaim, que Dieu vous bénisse à tous, et que vous allez tous de prodige en prodige. Aujourd'hui, nous sommes au niveau de Yom Kippour. Chacun, à tous, nous avons tous des demandes. Nous avons tous la sincérité, et nous avons tous la volonté profonde que notre requête se réalise. Dès que le Nigoun y commence, fermez les yeux et connectez-vous avec Akadosh Baruch Hu. Thank you.
présente M. Benaïm du journal Météor. Si vous ne le connaissez pas, c'est l'occasion parce que je pense que c'est un journal qui est apprécié de la communauté. En tout cas, moi je vous souhaite de continuer cette réussite, de vous entêter et que Bezrat Hashem, Dieu vous donne la réussite dans toutes vos entreprises et que vous soyez toujours le véhicule de la parole de Dieu, parce qu'en vérité, la bracha, c'est de véhiculer la parole de Dieu. Celui qui véhicule la parole de Dieu, il est garanti pour avoir la bracha. Alors moi, je vous souhaite que vous soyez toujours un réceptacle pour véhiculer la parole de Dieu. Et avec toute l'équipe. L'équipe, non mais derrière les caméras, il y a toujours, vous savez, derrière cette caméra qui fait de moi, bon, il faut le dire, une star, mais il y a toujours un bon juif derrière. Comment il s'appelle, Moshe? Que Dieu te bénisse, Moshe. Que tu aies une grande hatzlacha, mon frère. Toi, ta famille, tes enfants. Et que tu sois toujours fier d'être un juif. Et que tu transmettes ce message à tes enfants pour l'éternité. Et toi, mon frère, derrière l'appareil photo, Aaron. T'es marié? Oh, Hachem. Aaron, que Dieu te bénisse, toi, ta femme et tes enfants. Et que Dieu fasse que tu aies toujours la possibilité de sanctifier le nom de Dieu dans l'éducation juive et dans une maison juive pour l'éternité. Amen.